Salut tout le monde, c'est Nana et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de notre Let's Play sur Chrono Trigger. La dernière fois, un fail, encore, hein. Comme d'habitude, rien n'a changé, hein. Si ça continue, je vais devoir faire une théorie sur le fait que filmer des vidéos vous augmente le taux de fail de 95%. Donc, étant donné que les monstres ne respawnaient pas dans la zone, je suis retourné ici parce que je pouvais pas farmer. Et donc, je me suis dit que dans cette vidéo, on allait explorer un peu. J'ai 2-3 idées, genre... Est-ce que c'était celui-là? Je me souviens plus. Voilà. Il y avait là ce portail qui mène au mont mystérieux en l'an moins 5 millions d'années. Moins 65 millions d'années, hein. Eh ouais, c'était il y a longtemps et donc... Parce que j'avais vite fait regarder s'il y avait une astuce pour battre le boss sur lequel j'étais coincé. Et apparemment, il n'y en avait pas. Et donc... En attendant, j'ai vu que... Quand je m'en doutais, l'histoire principale nous disait de retourner à notre époque. Et donc, c'est apparemment parlé qu'il fallait pour l'histoire principale. Mais je suis coincé, alors on va explorer un peu ce portail là. Là, on est dans la préhistoire normalement. Et déjà à l'époque, il y avait des coffres. Back Fury. Mauvais bouton. Elle fait quoi la Back Fury? Attaque, défense physique et incontrôlable. Ok, donc c'est du berserk. Des dinosaures, on s'en serait jamais douté. Alors, quand on n'est pas censé aller par là, est-ce qu'ils sont super forts? On va commencer par une série d'attaques normales pour essayer d'évaluer leur force. 48, ils sont à peu près 200 de PV. On va essayer de voir si la magie a un plus grand effet. Un bien plus grand effet, hein. Ça me donne presque envie de spammer. Bon, ça one-shot pas. Ah. Celui-là, si. Ah, c'est bien la magie, ça one-shot tout. Même pas besoin, normalement il va être one-shot. Ah non. Bon, ça va. Même si c'est pas par là pour avoir l'histoire, les monstres ne sont pas trop forts. Bah, à partir de maintenant, je vais peut-être parler un peu moins durant les combats histoire d'être un peu plus concentré et de faire moins de fails, hein. Ce serait bien quand même. Regardez combien de vie ils ont, 160. Bah voilà, en deux coups ça va être fait. Parce que Marl fait beaucoup moins de dégâts. Tiens, un pétale. C'est quoi un pétale? Objet. Ok. Hop, on va essayer d'esquiver un peu quand même.
Oh, très intéressant. Très intéressant, mais une question que je me pose. Maintenant qu'on sait que c'est par là la sortie, est-ce qu'on se paye les 4 en même temps? Ok. Là, on va utiliser la magie. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de me dire qu'ils sont pas si forts que ça et que donc la magie n'est pas forcément nécessaire. Toi et les deux autres qui sont plus faibles, on va pouvoir les taper à la magie. Ah, il s'est pas fait one shot le dino. Bon, pas grave. Et là-haut, je pense qu'on peut se les faire. Bah, je prends des potions. Ah, tout à l'heure, si je le dis, les gars, parce qu'il a été trop sculpté, il me semblait avoir vu un truc dans le genre. Je crois que c'était nous qui avait été coquetté, mais en fait, non. C'est lui, il est électrocuté, donc sa défense baisse. Ah. Intéressant. Bon, je pense pas qu'il doit y assez grand chose. Voilà, 46. En un coup, il est mort. Bon, en tout cas. Et voilà. Alors. Et ben non. On peut pas fuir. Enfin, plus qu'on fait. On fait comme ça pour fuir. Un peu plus comment on fuit. Attends, ils sont en train de nous faire mal quand même. Voilà, donc il y a que j'en ai électrocuté 1. Donc sa défense est en baisse. Voilà. Et comme ça, je pense que j'ai économisé une attaque magique. Je crois qu'il s'est marqué monté dans le level, j'ai pas trop vu. Que c'est bien, mais je voulais voir un peu ce qu'il y avait de ce côté là. Ok, d'accord, c'est j'ai fait un retour un peu pour rien. Oh mon dieu. Ah, ils sont tous là. On va essayer Rafale. Voilà, on laisse. La magie ne touche qu'une seule personne alors que ces techniques-là, elles en touchent plusieurs. Quand on a beaucoup d'ennemis comme ça, c'est le mieux. Et on va redonner un peu de PV à Marl. Oh, il prend cher. Non, technique. Voilà, comme ça, ça a touché deux ennemis. Ah putain, ça aura rien fait. Alors, objet, potion top, acrono. Peut-être qu'il va me faire un foudre sur lui. Il faut achever celui qui est derrière. Thank you.
Et voilà. Encore corne et pétage, je me demande ils servent à quoi ces items. Ah, on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette forêt, je sais pas si je peux y rentrer. Je peux pas passer par là. Oh. D'ailleurs, non, mauvaise touche. Non, c'était quoi déjà la touche? Ah oui, select. Ah voilà, ils ont bien fait changer la carte. Ok, je vois. Bon bah, c'est sympa, mais... Ah. Intéressant, très intéressant. Forêt des dalles. Ah. Bon, on va d'abord s'atteler à ce petit village, on dirait. Wow. Bonjour. Ok, dans ce monde, il y avait des humains il y a 65 millions d'années, mais... Ok. Vous portez peau bizarre. Si tu veux. Pierre rouge, très jolie. Vous vouloir regarder? Chef la détenir. Le chef aurait une magnifique pierre. Hutte du chef nord du village. Je sais pas, est-ce que je peux allègrement vous piller des trucs? Non. Ok, on va visiter ce petit village. Hein. Vous êtes ami des sauriens? Vaut mieux que non, sinon moi vous écrasez. Pourquoi j'ai pris cette voix? Peuple de sauriens cruel et sans cœur. Peuple de sauriens à voir écaille dure. Vous, pour battre sans rien, besoin de beaucoup de force. Ok, je sais pas c'est qui ces sans rien, mais... Apparemment, ils aiment pas. Vous vouloir boire eau de vitalité? Eau de vitalité renfort. Ça doit être pour restaurer les... Voilà. Bon, la forêt de Dédale est pas loin. J'ai peut-être un endroit où je pourrais farm à la fin de cette vidéo. Je peux pas entrer un tour de garde? Non. Place du village. Très intéressant tout ça. Tente du chef. Non, je vais finir par celle-là plutôt. On aurait dit que c'était ça la tente du chef. Vous êtes bizarre. Vous vouloir troquer? Non, si chef pas être d'accord, vous pas pouvoir troquer. Ok, donc je pourrais... C'est un marchand, je pourrais après avoir vu chef. Vous savoir, tout dinosaure atteint par foudre éprouvé bilibili commotion électrique. Genre, ils ont laissé Bilibili. Ils sont sérieux. Ok, donc pour ceux qui savent pas, Bilibili, c'est l'onomatopée japonaise pour l'électricité, les étincelles. Bon, pas vraiment les étincelles, parce que les étincelles, c'est pika pika. Mais voilà, ils ont laissé Bilibili. Ok. Trouver pétales, crocs, cornes et plumes dans lieu de chasse. Pleuvoir être très rare. Ok, donc il pleut peu. Ok.
Alors des pétales j'en ai, des crocs j'en ai, des cannes je crois que j'en ai une, et j'ai pas de plumes. Ouh! Si pluie tombée, monstre très rare apparaître, ceci bénéfique, bénéfique! Intéressant. Ici, tente de troc, pouvoir échanger plein d'objets. Troquer pierre brillante. Ah, lui par contre, il accepte de troquer. Bon, je vais économiser un peu. Ça, il me reste encore pas mal de potions. Ça s'appelle du village, je répète, après la tente du chef. Pour remarquer qu'il n'est pas là, c'est ça? Ok, il est pas là, donc je suppose qu'il est à la place. Le plus fort, devenir chef de tribu d'Yoka. Homme, femme, enfant, peu importe. Chef d'Yoka, être toujours musclé et avoir beau corps. Lorsque vous êtes un peuple de chasseurs-cueilleurs, le fait que le chef doit être le plus fort est quelque peu logique. Vous, venir de montagne? Beaucoup de choses étranges se produisent dans montagne. C'est pourquoi nous appeler mont mystérieux. C'est vrai que le fait qu'il y a un portail spatio-temporel qui mène vers d'autres époques peut être considéré comme quelque chose de suffisant pour appeler ça une montagne mystérieuse, en effet. Tribu de l'Aruba à se cacher dans la forêt au nord. Eux toujours cachés par-ci, par-là. Tribu de l'Aura lâche, fuir, peuple sans rien. Ok, donc il y a un deuxième tribu humaine qui fuit en permanence. Nous combattre peuple sans rien. Tribu de l'Aruba, pas combattre sans rien. Tribu de l'Aruba, pouvoir appeler tyran dactyle, eux voler dans le ciel. Nous, tribu de Yoka, pas savoir appeler eux, donc nous, pas pouvoir voler. Ah, tribu de l'Aruba maîtrise les dinos. Oh tiens. Est-ce que j'ai parlé à tout le monde? Toi, t'as un skin différent, t'es qui? Kino, ah, t'as même un nom. Vous venir d'où? Pourquoi vous venir ici? Kino, pas aimez-vous? Pourquoi je suis venu ici? Pour farmer l'XP. Ah tiens, j'ai... Pendant un instant, j'ai cru qu'on pouvait passer par là. Mais c'est pas le cas, je vois. C'est quoi cette pierre au centre? Bon, c'est pas grave. On avance. Hein. Le chef doit être là-haut. Ou pas. Ok. J'ai pas trouvé le chef. Il est pas dans sa tente. Il est pas sur la place du village. Et c'est très étrange. Très 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 étrange. Bon, on va continuer un peu l'exploration, hein. Encore une zone. Ni des terrains. Je pourrais sans doute rencontrer le peuple d'Aruba. Lieu de chasse. Intéressant. Très intéressant. J'ai deux choix. Le chef doit être parti en chasse, à mon avis. Ok, pour l'instant, je trouve un peu rien. Ça va être des espèces de marées là. Oh, il pleut. Et quand il pleut, il y a un monstre rare. Je me demande, il est où?
Surtout que je suis sur le chat, donc c'est sans doute là qu'il doit apparaître, non? Ce serait logique. Et en plus, ça dure pas longtemps la pluie, hein. Rien ici, c'est un cul-de-sac, il y a strictement rien. Dommage. Ok. Bon, ça, je trouve pas grand-chose dans cette zone, hein. Bon, c'est actuellement un peu quartier histoire principale, là. Ça se trouve, c'est des quêtes. Ça se trouve, c'est une zone secondaire où l'histoire ne nous emmènera jamais. Hein. Ah, j'espère que c'est une grenouille. 100 PV. Bon, je pense qu'on peut les faire purement au physique. Surtout les dégâts qu'ils font. Hein. Bon, faut quand même deux coups pour les tuer, mais pour l'instant, j'ai pas vu de dégâts. Ça va être temps que je vous fasse un dégât. C'est un peu suspect, je sais pas, on va ramener le roi grenouille. Ou alors ils vont danser, déclencher la pluie et nous ramener le roi grenouille qui ne sort que quand il pleut. Bon, au moins on gagne des niveaux, hein. Ah bah tiens, il pleut. Il pleut et je ne vois rien à cause de toute cette végétation. Ok, je commence à tourner en rond là. Je commence à croire qu'il n'y a pas grand chose par ici. Je suis un peu coincé dans le décor. Mais je suis passé par là tout à l'heure, non? C'est la seule route. Non mais c'est pas vrai. Non, avec une pierre là. C'est moi où je suis coincé. Mais... Non mais c'est pas possible. Je suis bien passé par là tout à l'heure. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui me bloque la route? C'est un peu problématique là. Je peux plus passer. Ah voilà. Bon, c'est rare qu'il pleuve, mais ok, j'ai à peu près fait le tour. Est-ce qu'il faut que je trouve le monstre qui apparaît quand il pleut? Peut-être, bon. Bon, bah, quand je le pensais, il s'est pas trop passé grand-chose dans cette vidéo, mais... J'ai envie d'aller à la forêt des dalles après. Bon. Et bah, sur ce... Je vous dis... Bah, je vous dis que je pense que je vais enchaîner pour une fois. Et donc, et bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye !